Poultitroi à Puy-Marie. Ici Puy-Marie. Qu'est-ce qui se passe, Poultitroi? Eh bien, on nous a dérobé la mallette. Quoi? Mais l'événement des 10 ans de Cantal Auvergne va bientôt commencer. Il faut la retrouver. Lancez la géolocalisation. Bien reçu, Puy-Marie. Suspect identifié dans le centre-ville d'Aurillac. Et pour qui est-ce qu'il travaille? Qui l'a envoyé ici? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait? On intervient? Déclenchez le protocole prévu. Patron, j'ai réussi à dérober la mallette. Bien, très bien. Personne ne vous a suivi au moins? Non, personne. Mon plan se déroule comme prévu. Télé, journaux, radio, on n'en peut plus d'aller voir partout. On a même vu une parodie du Hobbit qui se déroule dans le corps. Silence. Excusez-moi, patron. Quand j'ai découvert ce qui se préparait pour fêter les 10 ans de Cantal Auvergne, j'ai tout de suite su qu'il fallait agir. Maintenant que vous avez la mallette, rentrez au plus vite. Bien, patron. Votre taxi va arriver, monsieur. Tous les invités sont là? Tous les invités sont arrivés.
Nous avons retrouvé la mallette ? Non, Président. Qu'est-ce qu'on fait ? On annule ? Xavier, pour le Cantal, on ne lâche rien. Nous allons descendre, gagner un peu de temps. Une bonne nouvelle peut toujours arriver. Oui, Président, vous avez raison. Allons-y. Alors effectivement, c'est à suivre. On ne sait pas où elle est, effectivement, cette mallette. Il faut qu'on gagne un peu de temps. On a des invités prestigieux, ça tombe très très bien, on va en profiter. On a créé aussi notre restaurant il y a 10 ans, en avril 2009. J'ai une propriété dans le Cantal, j'y suis très heureux. J'ai sillonné le département et je suis très heureux chaque fois que j'y retourne. Donc. J'ai tellement de contraintes et je suis tellement content de venir ici. I know Jean was really excited to be coming here and I was so happy to share this beautiful place with him again. Lorsque je faisais mes études à Paris, j'ai appris à découvrir des Cantaliens à Paris où on a passé des moments merveilleux. Notre capitaine, Julien Laporte, est Cantalou. J'ai eu la chance de grandir ici, donc dans un environnement facilitant, donc j'y reste attaché, voilà. Notre relation entre nous, athlètes, et puis vous, Cantal, va permettre, je pense, de donner un peu plus de lumière encore à ce département. Les gens ont envie de vous faire découvrir le département. Une fois qu'ils ont goûté à ça, ils reviennent, ouais, bien sûr. Forcément. C'est un vrai bonheur. Merci d'être avec nous. Vous avez vu comment elle était, la mallette? Si jamais quelqu'un la voit, si elle traîne, vous me faites signe, vous criez très très fort. On va... Ça me semble être un signe, Président. Je crois qu'on a retrouvé la mallette. Notre mallette, ramenée par Fanny Agostini. Tu cours plus vite que l'agent secret, en tout cas tu l'as semé. Il était loin derrière. Hein. Ah oui, mais ça c'est clair. Quand on m'a dit qu'on avait volé la mallette, oui. Je me suis dit, ne vous demandez pas qu'est-ce que le Cantal peut faire pour vous, mais demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Cantal. Là, cette fois-ci, on va pouvoir l'ouvrir. Alors, complètement. On a un DVD. Moi, Président, je suis très curieux. Je vous propose de le regarder. Et puis, nous prendrons la direction du Cantal. Je viens dans le Cantal pour les étoiles du sport et c'est vrai que c'est très sympa. C'est un grand succès, 10 000 festivaliers sont encore attendus. On part dans les monts du Cantal, ils sont magnifiques aussi avec Charles Voissier. Vous ne pouvez attendre plus longtemps, vous êtes l'héritier du trône du Cantal. La rampe de lancement mesure plus de 300 mètres. Dis-moi Chantal, t'as pas oublié Cantal ? Oublier Cantal ? Ça peut être fatal. Autour de nous, ce sont toutes les estives, ça représente un sixième du département. Oh la vache, je m'appelle pas Chantal, mais j'aime le Cantal. Le festival d'Aurillac, c'est aussi ça, le lieu artistique où les idées se renouvellent. Les gens accueillants. Accueillants et chaleureux. Le soleil extraordinaire. Un beau soleil. Du bon fromage. Hein. Le fromage. Les beaux paysages. Paysages magnifiques. Volcans. Des volcans. Et vive le Cantal. Le Cantal président. Toute cette énergie dans la cassette ici déployée ces 10 dernières années pour changer l'image du Cantal. Nous aurions pu céder à la tentation d'une campagne de promotion nationale. Nous n'avions pas les moyens de nous l'offrir et nous avons donc dû imaginer autre chose. Cette autre chose, ça a été cette marque rouge. L'idée, c'était d'avoir un signe de ralliement et de faire en sorte que ce soit les Cantaliens eux-mêmes qui finalement affichent cette fierté d'être Cantalien. Et depuis ces 10 dernières années, ça a été un travail, j'allais dire, continu de longue haleine qui a payé parce que le département accueille plus de gens que ceux qui en partent. Sur les 15 dernières années, schématiquement, on est passé de moins 300 à plus 450 par an. Donc merci à vous tous et puis ne lâchons rien pour le Cantal. Merci, merci Bruno. On va les applaudir très très fort. Ils vont se lever et on va faire une première photo avec vous tous. Je vais vous demander de prendre les fan rollers. Merci encore.